Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Alors que nous sommes tous debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais présenter mes excuses pour le retard. Alléluia. Je vais être là depuis 18h10, mais pour des raisons de trafic, je suis venu en retard. Que l'Église m'excuse. Amen. Vous acceptez mes excuses? Merci beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ça dit 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allait y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et il dit, regardez-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Verset 7, et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, sautant, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de celui qui était, de ce qui lui était arrivé. Verset 11, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Nous reprenons nos places. Père, merci encore. Merci de nous faire grâce. Merci de nous choisir comme canal par lequel tu veux parler à ton peuple. Père, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Je prie par le Saint-Esprit que je sois réellement une bénédiction pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Ma prière aussi, Père, que tu nous bénisses, que tu nous guérisses, que tu nous consoles, que tu libères de vie et à la fin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci anticipativement pour tout ce qui va se passer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Alors dans le texte que nous venions de lire, on parle d'une histoire. Dans cette histoire, on parle d'un homme impotent. Lorsque vous lisez le verset 2, vous avez l'impression, vous aurez l'impression qu'il s'agit seulement d'un homme boiteux. Mais quand vous arrivez jusqu'au verset 5, verset 4, 5, 6, 7, la Bible parle d'un homme qui n'a jamais utilisé ses pieds depuis sa naissance. Il n'a jamais marché. Je répète, le verset 2 nous donne l'impression comme si cet homme est juste un boiteux. Il a juste un problème avec une jambe. Mais lorsque nous descendons dans nos textes, il nous est clairement dit que cet homme n'a jamais marché de ses pieds, avec ses pieds. Alors, j'aimerais dire 5 choses avant d'aller en profondeur dans mon message. Et puis, nous allons prendre un temps de prière. La première chose, c'est ce que déjà je suis en train de dire. Cet homme est un impotent. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais fait usage de ses deux pieds. Deuxièmement, la Bible dit qu'on le portait. Cela veut dire que cet homme était dépendant. Il ne pouvait pas se mouvoir seul. Il dépendait de gens. Chaque jour, depuis sa naissance, la Bible est muette par rapport à son âge. On ne dit pas quel âge il avait, mais on parle d'un homme. Ça veut dire qu'il avait déjà atteint plus de 18 ans. Imaginez quelqu'un qui a grandi comme ça, enfant, adolescence, l'âge adulte, il dépend totalement de gens. On le porte. Et comme c'est un juif, la culture ou les coutumes juives voulaient que chaque jour, les juifs allaient au temple deux fois, à 9h et puis à 15h. La Bible ne nous dit pas quelle est la séquence où se passent ces choses. C'était le matin ou le soir, il demanda le monde. La Bible ne nous dit pas. Mais il dit chaque jour, on le portait. Il dépendait des gens. Je ne crois pas. Je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce sont les mêmes personnes qui les portaient chaque jour. Je ne crois pas. Que ce sont les mêmes personnes. Donc, ça arrivait de fois que
certaines personnes qui les portaient disent non, aujourd'hui on est fatigué. Aujourd'hui on ne fera pas ça. Aujourd'hui on ne te portera pas. Et je me dis, c'est possible aussi que l'argent soit parmi les motivations. Parce que cet homme, la Bible dit qu'il était porté pour demander de l'aumône. Parce qu'on n'a qu'à voir, même ici dans notre pays, si vous allez par exemple sur le boulevard, vous verrez qu'il y a des nécessiteux, il y a des pauvres qui demandent de l'aumône. Mais généralement, ces personnes sont aidées par d'autres personnes, des enfants ou de grandes personnes en forme, allais-je dire. Et généralement, lorsque ces personnes perçoivent, surtout pour les aveugles, ces personnes ne savent pas combien on leur aimait. Donc ces personnes dépendent totalement de ceux qui les portent. Cet homme aussi, c'est possible que ça changeait. Des fois, c'était ses connaissances, des fois, c'était ses frères, mais la Bible nous dit qu'il était dépendant. Je m'adresse à quelqu'un ici qui est en train de se dire, mais je dépends totalement de personne, je dépends totalement de gens, mais finalement, ma vie finira comment? Et la troisième vérité qui nous est dite ici, cet homme n'avait jamais accès au temple. Jamais. Parce que si vous lisez la Bible, vous verrez que juste après sa guérison, la première chose qu'il a fait, c'est d'accéder au temple. Cet homme n'a jamais eu accès. Pourquoi? Si vous étudiez 2 Samuel chapitre 5, verset 8, ce texte nous dit clairement la raison principale pourquoi cet homme n'avait pas accès au temple. Cet homme n'avait pas accès au temple parce qu'un jour, David, alors qu'il était en conquête, il allait pour conquérir Jébus, l'actuelle Jérusalem. La Bible dit que les habitants de Jérusalem se sont opposés à David, même les aveugles et les boiteux. Lorsque David a conquis enfin cette ville de Jébus, il a libéré une parole. Cette parole est devenue une loi. Il dit « Aussi longtemps je serai vivant ». Rappelez-vous même de l'histoire de Méphibosheth. « Aussi longtemps je serai vivant, les aveugles, les boiteux n'auront pas accès ». C'est ainsi que lorsque David a fait appel à l'un des descendants de Saül, on a parlé de Méphibosheth. Tiba a dit à David, ô roi, il est perclus de pied. Ça veut dire qu'il est disqualifié par rapport à la loi que tu as établie. Et cette loi stipulait que les aveugles et les boiteux, heureusement que c'était David lui-même qui avait établi la loi, il avait la capacité d'abolir la loi. Et cet homme est né comme ça. Il est venu trouver une loi. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, il y a des réalités, certaines réalités que nous vivons aujourd'hui dont nous ne maîtrisons pas les contours. Tu es né dans une famille et tu trouves certaines réalités qui disent que tous les jeunes hommes qui atteignent l'âge de X meurent. Cette histoire, je la relate partout, je me retrouve quelque part en mission dans un état en Amérique. Aussitôt j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, il y a une jeune femme qui est devant moi, qui était devant moi, qui a commencé à pleurer. Tout au long de mon message, elle ne faisait que pleurer. Et lorsque j'ai dit amen, même lorsque je faisais les services, elle pleurait. Elle était là en train de me regarder, elle a pleuré tout au long du message. Lorsque j'ai dit amen, je suis allé m'asseoir, cette fille s'est déplacée. Son pasteur s'apprêtait à clôturer les cultes, elle est venue vers moi, elle s'est mise à genoux. Elle me dit, pasteur, j'ai 39 ans. Mais je dis, mais c'est quoi le problème? J'aurai 40 ans dans tel nombre de mois. Moi, je dis, ma soeur, c'est quoi le problème? Et finalement, lorsque son pasteur clôture la réunion, je dis, pasteur, je vais parler avec ta fille. Tout au long du message, elle n'a fait que pleurer. Le pasteur a dit, oui, j'ai remarqué, elle vient ici, mais je n'ai pas compris. Peut-être qu'elle est touchée par le message. C'est l'impression que j'avais aussi. J'entre au bureau avec la sœur. Grande était ma surprise. La sœur me dit, pasteur, ma grand-mère est morte à l'âge de 40 ans. Lorsqu'elle est morte, elle n'avait que ma mère. Et elle est morte de telle maladie. Et puis, elle était divorcée. Ma mère aussi est morte à l'âge de 40 ans. Lorsqu'elle était morte, elle n'avait que moi. Elle était divorcée, elle souffrait de telles maladies. Moi aussi, pasteur, je viens de divorcer. J'ai 39 ans, j'ai une fille, je souffrais de telles maladies. C'est la raison pour laquelle elle pleurait. Je ne sais pas ce qui s'est passé alors que j'étais en train de prêcher le message. Frères et sœurs, j'étais saisi d'une grande colère.
Et je dis, ok, j'ai encore 3 jours dans cet état. Et je priais fermement avec la sœur. Cela s'est passé en 2014, 2015. Jusqu'à ce jour, elle est en vie. Quelqu'un a dit amen. Très bien. Ça dit qu'il y a des choses que nous trouvons dans le monde où nous nous disons, mais pourquoi moi? Cet homme est né paralytique. Bon, d'accord, je n'ai pas l'usage de mes pieds. Mais pourquoi ne dois-je pas avoir accès au temple? Et bien aimé, malgré la bonne volonté des personnes qui les portaient, ces personnes elles-mêmes étaient incapables de les faire entrer en intérieur. Même les sacrificateurs, même les souverains sacrificateurs n'avaient pas pouvoir. Tu veux te poser à la loi de David, notre patriarche. Il y a des choses comme ça dans nos vies, dans nos familles, dans nos environnements, dans nos milieux, des choses que nous vivons. Et ces choses restent des questions. Nous disons, mais pourquoi ça dans ma famille? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans mon ministère? Pourquoi ça dans la vie de mes enfants? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi telle maladie? Pourquoi telle réalité? Mais pourquoi? 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 Pourquoi est-ce que à chaque fois que je conçois, et voilà, les enfants partent? Ma sœur a vécu cela, ma mère a vécu cela. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Je vais dire à quelqu'un que ce programme est là pour toi. Je dis que ce programme est là pour toi. Je ne parle pas de cette soirée parce que Dieu peut se passer de moi. Il peut passer par le canal de celui qui prêchera demain. Mais ce programme est pour toi. Toi qui se poses des questions, tu te poses des questions par rapport à ces réalités. Cet homme se disait, mais David, vraiment, qu'est-ce qu'il a pris? Et lorsque David a déclaré ces choses, ce n'était pas le ainsi dit l'Éternel. Non. C'est venu de lui-même, comme ça, un saut d'humeur. Il dit, parce que les boiteux m'ont résisté, hein, aussi longtemps je serai roi, les boiteux n'auront pas accès. Comme ça. Quelqu'un qui se lève, il dit des choses, et ces choses condamnent des générations et des générations. J'aimerais aller vite en besogne et déclarer par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute personne qui est victime de ces choses sortira libre ce soir. Si tu es là, donne-moi un amen bien au nom de Jésus. Donne-moi un amen en bonne santé. C'est que les autres vivent, tu ne vivras plus ça. Les expériences des autres ne seront pas forcément tes expériences. Dieu m'a envoyé pour déclarer que tu seras libre. Dieu m'a envoyé pour déclarer que tu seras libre. Dieu m'a envoyé pour te déclarer que ton témoignage changera. Donne-moi un amen, très bien. Je croyais que tu allais être béni. Dis amen, très bien. Et la quatrième chose, ou la quatrième réalité, l'abbé dit, on le plaçait devant la porte du temple, la porte principale. Quelle honte! Le temple de Jérusalem n'avait pas une seule porte, il y avait plusieurs portes. Mais on le plaçait devant la porte principale. C'est pourquoi Dieu, de toute façon, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi lorsqu'il a marché, la Bible dit, tous reconnaissaient que c'était lui. Si Dieu t'expose à la honte, c'est que tu seras aussi exposé aux acclamations. Oh, j'ai béni deux personnes. Celles qui disent amen bien. Non, je bénis 4 personnes. Celles qui disent amen très bien. Je bénis 10 personnes. Celles qui disent amen bien. Je bénis l'église si tu dis amen. Si Dieu t'expose à la honte, sache que tu seras aussi exposé aux acclamations. J'aimerais bénir quelqu'un. Si tu dis amen, je te bénis. Si ton problème devient une référence pour les hommes, c'est que ton miracle deviendra aussi une référence pour les hommes. Oh, j'ai béni quelqu'un. Ton amen prouve si tu crois ou tu ne crois pas. On le plaçait devant la porte, papa. Si tout le monde entre, on le voit. Il y a de ces portes au temple de Jérusalem. Si tu es là, les gens peuvent ou ne pas te voir. Dieu en fait en sorte que cet homme soit placé devant la belle porte, la porte du temple. Ça veut dire lorsque les gens entrent, on le voit, on le laisse là. Dieu fera en sorte que ton cas devienne une prédication.
que ta vie devienne une exhortation. Quelqu'un dit amène bien. Vous savez l'erreur que les Romains ont fait? L'erreur que les Romains ont fait, ils ont pris Jésus, ils l'ont crucifié en un lieu qui était pratiquement comme un carrefour. Pourquoi? Je vais nous prouver cela. Parce que lorsque Jésus fut crucifié, la Bible dit qu'il y avait une mention dessus là. Où il était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais la Bible dit que cela était écrit en trois langues. Si les trois nationalités ne passaient pas là, ça serait écrit seulement en latin. La Bible dit que c'était écrit en latin, en grec, et puis je crois en hébreu. Cela veut dire que Jésus était crucifié en un lieu où les Romains passaient, les Grecs passaient, les Hébreux passaient. Mais c'est que les Romains ne savaient pas que Jésus n'était pas seulement le roi des Juifs, il était le roi des Romains, il était... Si tu constates que ton problème est connu, tu constates que ton cas est connu, partout on parle de ta situation, sache que partout on parlera aussi de ton témoignage. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce pays, dans cette ville? Partout on parle de moi, on raconte mon histoire. Bien-aimé, on racontera aussi ce que Dieu fera. Ah. Oh, quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. La Bible dit on le plaçait devant la porte. Et la cinquième chose, la cinquième vérité, c'est possible que les personnes qui portaient ces messieurs le déposaient à la porte du temple. Elles, ces personnes, entraient au temple et le laissaient là. Malgré leur bonne volonté. Malgré leur bonne volonté. Ces personnes disaient, on veut bien t'emmener au temple, mais nous sommes limités. Bien-aimé, ne l'oublie jamais que l'humain est limité. Ne l'oublie jamais. Les hommes, malgré leur bonne volonté, nous sommes limités. Quelqu'un dit amène très bien. Quelqu'un dit amène très bien. Lorsque je venais ici, j'étais au volant. Je me suis dit, ok, je vais prendre tel chemin, arriver quelque part, il y a eu bouchon, je ne pouvais plus rien faire. J'ai pris la moto et je dépendais de quelqu'un d'autre. Pasteur, avec onction, c'est moi qui prêche, mais je dépendais de quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas son âge, je n'ai pas demandé s'il croit en Jésus, s'il ne croit pas en Jésus. Je n'ai pas demandé s'il est né à gauche ou à droite. Dieu est Dieu. Bien-aimé, cette personne pouvait dépendre des hommes qui les plaçaient. Mais à un certain niveau, Dieu te prouvera que les hommes sont limités. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent même des maladies cardiaques parce qu'elles ont oublié cette réalité. Elles ont placé leur confiance aux humains. Dieu peut passer par les hommes. Dieu peut passer par les gens que tu connais. Dieu peut passer par les personnes que tu fréquentes. Mais sache que c'est Dieu qui est l'auteur de tout. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Très bien. Ça, ce sont les cinq choses que nous devons retenir. Ces cinq choses sont comme base par rapport à mon message. Mais j'aimerais développer le premier point, peut-être m'attarder ici. Il m'a été donné de prêcher aussi le dimanche. Je crois que par la grâce de Dieu, je veux insister, aller en profondeur par rapport à mon message. La raison pour laquelle ces messieurs étaient déposés devant la porte du temple, la Bible dit que c'était pour demander de l'aumône. L'aumône était un ordre que Dieu a donné à Israël. Lorsque les enfants d'Israël moissonnaient, ils s'aimaient et moissonnaient, Dieu leur disait, dans Lévitique, je crois, chapitre 23, Dieu leur disait, mettez à part une petite quantité. Et cette quantité revenait aux indigents. Donc cet homme, je pense, connaissant la loi, se disait, ok, Dieu a prévu quelque chose pour moi. Chaque jour en venant au temple, cet homme s'attendait à ce que les personnes qui entraient au temple lui laissent quelque chose. Parce que c'était un droit. Sinon, on allait le chasser. Le fait qu'on le déposait chaque jour devant la porte du temple, cela veut dire que c'était une loi. Mais regardez ceci. Lorsque Pierre et Jean arrivent devant ces messieurs démontrent qu'il avait besoin d'argent. La réponse de Pierre, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Vous êtes là avec moi?
Vous savez pourquoi Pierre a dit « Je n'ai ni or ni argent ». C'est comme si Pierre voulait dire en lingala, je ne sais pas si je dois le dire, « Nathan a un caté ». Je n'ai rien. Quand quelqu'un dit « Je n'ai ni 100 dollars ni 1 dollar », il veut seulement dire « Je n'ai rien ». Pourquoi Pierre dit « Je n'ai ni or ni argent ». Il donne ce qui est élevé et il donne ce qui est bas. Il dit « Poche vide, je n'ai rien ». J'ai rien du tout. Mais il dit ce que j'ai. Cela veut dire que dans la vie, il y a des choses qui n'auront pas l'argent comme réponse. Toi et moi qui sommes esclaves de l'argent, qui croyons que l'argent c'est le socle de tout, faux. Il y a des choses dont l'argent ne sera pas la réponse. Il y a des choses dont l'or ne sera pas la réponse. Quelqu'un dit amen très bien. Cet homme est venu pour percevoir, non pas percevoir, il est venu pour demander le monde. Dans sa tête, il était venu pour avoir l'argent. Mais Dieu l'a prouvé que l'argent ne peut pas faire tout. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Il y a des choses que Dieu te donnera. Il ne passera pas forcément avec l'argent, par l'argent. C'est pourquoi moi, quand j'ai des problèmes qui nécessitent de l'argent, je ne demande pas à Dieu l'argent. Je demande à Dieu la solution. Parce que Dieu peut passer par quelqu'un sans me donner de l'argent. Beaucoup de personnes sont limitées aujourd'hui parce que, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Et en priant, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une garantie locative. L'argent de la garantie. Dieu peut te donner une maison sans garantie. Quelqu'un... Dieu peut passer par quelqu'un. Oh, quelqu'un a dit, amen, très bien. C'est lui qui a dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Quelqu'un a dit amen très bien. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu se passera des protocoles. Dis amen très bien. Dieu choisira des chemins non conventionnels. L'argent, oui, l'argent est très bien. La personne qui a dit que l'argent répond à tout, au soir de sa vie, il a dit tout est vanité. Il a dit l'argent répond à tout. Pourquoi au soir de sa vie, il a dit tout est vanité. Tout est vanité. Mais celui qui a commencé les mains vides à la croix, il a dit tout est accompli. Quelqu'un dit amen très bien. Le succès commence lorsqu'on a Jésus, pas lorsqu'on a l'argent. L'argent peut lui donner le pain. L'argent peut lui donner les habits. Mais l'argent ne peut pas le rendre ses pieds. Non. Non. Bien-aimé, il y a des personnes dans ce pays riches, puissants, mais malheureux. Rappelons-nous de Naaman, le lépreux. C'était un général, quelqu'un de renom, mais lépreux. Je prie au nom de Jésus que ta perception change, que ta manière de voir les choses change. Lorsque tu te mettras à genoux, tu dis, Seigneur, je t'attends à un miracle. Si tu le feras avec de l'argent, gloire à toi. Mais tu peux te passer de l'argent, tu peux te passer de l'or. Quelqu'un a dit amen. Très bien. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, bien, j'avance encore. Est-ce que quelqu'un est béni? Aidez-moi à prêcher. Aidez-moi à prêcher. Je prophétise par le Saint-Esprit. Lorsque tu quitteras ces lieux, Dieu te donnera un miracle. Je dis, Dieu te donnera un miracle. Avant même que tu quittes ces lieux, Dieu ouvrira une porte. Quelqu'un a dit, amen, très bien. Quelqu'un a dit, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Quelquefois, nous regardons dans la mauvaise direction. Tu regardes tellement ce frère qui travaille à la banque que tu limites Dieu. Tu regardes tellement cette personne qui t'a promis 100 dollars que tu limites Dieu. Mais si nous arrivons à un niveau, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je ne reconnais que tu peux tout. Dieu est Dieu. Quelqu'un a dit amen très bien. Qui a dit amen très bien? Je vous relate une histoire. Ceux qui ont lu mon livre « Vainquage-toi » connaissent cette histoire. Je me retrouve encore en Amérique donc. Il est 17h, heure de là-bas. Je regarde mon téléphone, papa Dalo m'envoie un texto.
Il dit, tu me remplaces dans telle ville. Parce que pour des raisons, ça, je ne peux pas être là. Et puis, le pasteur est éprouvé. Tu peux le faire. Je dis, papa, je le ferai. En 19h et 0h, je me suis débrouillé pour trouver un billet d'avion moins cher. Et la société où j'ai trouvé le billet s'appelle Spirit. Ceux qui vont aux États-Unis connaissent. Et la particularité pour cette société, que le billet coûte moins cher, mais ce qui n'est pas détaillé dans le billet, dans leur politique, c'est qu'ils ne mentionnent pas que le bagage sont payants. Quand j'ai vu $75, papa, billet, avion, il dit non, jusqu'à Charlotte, je dis, oh, 75. J'ai pris ma grande valise. Nuitamment, je traverse deux états. J'arrive à Indianapolis. Quand j'arrive, il est 3h. Décalage, 4h. Le vol, c'est à 5h. Le check-in avait déjà commencé. J'arrive pratiquement le dernier. Dans la précipitation, papa, j'oublie mon portefeuille. Lorsque j'arrive devant le comptoir, et au comptoir, il y a une dame qui a pratiquement ma même taille, la même taille que la mienne. Elle me regarde. Elle parle en anglais. Bon, imaginez déjà mon anglais. English for Africa. Bon, je me débrouille avec la dame. Finalement, elle me pose la question, ce sont tous tes bagages? Je me dis, oui. Elle me dit, tu dois payer $75. Je dis, hein? Elle dit, $75. Je regarde le petit qui m'a accompagné. Il n'y a pas de portefeuille. Waouh! Alors je parle en lingala au petit, je dis, Américain Miyibi. Américain Miyibi. Et la dame me répond, bah Congolais Mounoko. Elle me dit, bah Congolais Biloba Loba. Partout, bah Congolais. Ah bien, en plus, j'ai regardé dans ton passeport, tu es pasteur. Ah, pasteur, pasteur. J'étais sans mots. Elle a bougé sa tête. Elle a sorti son portefeuille. Elle a sorti la carte de crédit. Elle a fait, tchoua. Papa, les tickets sont sortis. Elle a mis à la valise. Elle dit, bon voyage. Écoutez-moi. Maman, je peux avoir ton numéro. Elle dit, Kende, Longwa. Sony, Kende, Kende. Elle dit, pa. Je dis, je vais avoir. Pa. J'ai traîné les pieds, je la regarde. Papa, j'arrive au pied de l'avion, je la trouve là. Elle me regarde seulement. J'ai dit, maman, numéro. Elle dit, bon, prends. Je prends le numéro. Elle me dit, je dis, tu es Congolais? Je dis, oui. Elle dit, mais je ne suis jamais rentré à Kin depuis 21 ans. Je dis, quoi? En arrivant au comptoir, il n'y avait même pas d'indice que c'est une Congolaise. Donc Dieu savait que 21 ans plus tard, j'arriverai aux États-Unis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé quelqu'un 21 ans plus tôt. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est responsable. C'est lui qui a tracé ta destinée. Oh, quelqu'un n'a pas entendu, je croyais que... C'est lui qui a tracé ta destinée. Il connaît ta vie, donnez-moi la main très bien. Il connaît ta vie. Il connaît ta vie, il connaît tes défis. Il sait que tu vas te marier cette année, pas en 2022. Donnez-moi la main très bien. Ça ne sera pas en 2022, ça sera en 2021. Dieu le fera. Mais la bonne, vous n'avez pas entendu. Papa, je suis retourné à cet aéroport plus de 5 fois. J'ai posé la question. 1, le numéro ne passe pas. Et paf, on ne la connaît pas. Et regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est Dieu. Non, tu n'as pas dit. Dis-lui, Dieu est Dieu. Il est capable de frayer un chemin dans le désert. Le Dieu de ton appel, il s'appelle fidèle. Donnez-moi ton amen bien. Donnez-moi ton amen bien. Non, donnez-moi ton amen bien. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Je parle comme prophète de Dieu. Ça marchera. Je dis ça marchera. Je le sens au fond de mon esprit. Ça marchera. Je ne sais pas ce que Dieu fera. Il le fera. Je ne sais pas comment il le fera. Oh, mon esprit est perturbé. Il le fera.
Il y a quelqu'un que tu essuieras des larmes. Il le fera. Tu seras en train de cuisiner, tu pleures. Tu seras en train de manger, tu pleures. Tu seras en train de manger, tu pleures. Tu seras en train de travailler au bureau, tu pleures. Il le fera. Dieu fait chaque chose, pas en son temps. Il fait chaque chose belle en son temps. Non, tu n'as pas entendu. Dieu ne fait pas des choses en son temps. Non, il fait des choses belles en son temps. Lorsque le temps de Dieu arrivera, papa, je ne pouvais pas imaginer. Dieu, je dis, waouh. J'étais dans l'avion, je dis, mais Jésus, 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 Jésus. Quelqu'un sera étonné. Quelqu'un sera étonné. Je dis, quelqu'un sera étonné. Dieu te démontrera qu'il est Dieu. Tu diras aux gens, il y a de quoi s'attacher à ces dieux. Il y a de quoi s'attacher à ces dieux. Dis amen, très bien. Non, donne-moi un amen, très bien. Il est Dieu. Vous savez ce qui fait mal? C'est lorsque Dieu travaille dans la dimension spirituelle de ta vie. Parce que Dieu, comme un architecte, avant d'élever, il descend d'abord. Il travaille d'abord le fondement. Il travaille d'abord ce qui est invisible. Parce que l'efficacité, la solidité de ta destinée dépend du fondement. Or, le fondement est invisible. Quelqu'un entend? Ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est ce qui fera que même lorsque tu seras élevé, tu seras inébranlable. L'argent ne te dira rien. Donnez-moi la main, très bien. L'argent ne te dira rien. Les voitures ne te diront rien. C'est moi qui ai dit à mes filles, ce n'est pas la première fois. Je dis, descends, laissez la voiture. On dépose ça ici, on prend quoi? Oui, oui. Quelqu'un dit amen, très bien. Pourquoi? Je connais celui que je sers. Je connais celui que je sers. Et par sur quoi? Je suis allé prêcher les princes du royaume. Je suis venu vous prêcher, vous, les fils de mon patron. Moi, je suis serviteur de votre papa. Non, vous n'avez pas entendu. Je suis serviteur de votre papa. Donc, je suis votre serviteur. Si vous êtes béni, moi, je suis béni. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Si vous êtes béni, moi, je suis béni. Si la vie de quelqu'un est transformée ce soir, moi, Dieu me bénira. Il a dit, c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Je parle à quelqu'un, Dieu fera que l'on t'acclame. Dieu fera que l'on t'acclame. Dieu fera que l'on t'acclame. Quelqu'un dit amen, très bien. Quelqu'un dit amen, très bien. Dans une minute, je vais prier avec quelqu'un. Dans une minute, je vais prier avec quelqu'un. Écoutez, Église, cet homme était venu non pour la guérison. Il était venu pour le monde, mais il est rentré avec la guérison. Mais d'emblée, en contact avec Pierre, il a d'abord essuyé une déception. Il y a des déceptions qui cachent la gloire de Dieu. Il y a des noms que nous allons recevoir auprès des hommes, mais Dieu se cache derrière. Il y a des refus que nous allons recevoir dans les ambassades, Dieu se cache derrière. Donc j'imagine cet homme, lorsque Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, il dit, Pierre, un disciple de Jésus. Mais je connais cet homme, non? Un disciple de Jésus, d'abord il avait régné Jésus. C'est à lui qu'on a laissé l'église, ni or, ni argent. Qu'est-ce qu'il vient faire au temple? Est-ce qu'on temple le Seigneur des trois hommes, on vient les mains vides? Non, on ne vient pas les mains vides. Et c'est Pierre qui dit, je n'ai ni or, ni argent. Et ce qui est compliqué, plus tard, Pierre avait tué Ananias et Saphira. Il y a de ces personnes, lorsque vous allez vers elles, vous faites des demandes. Lorsqu'il y a la réponse est négative, vous êtes déçu. Elle aussi, cette personne. Tu es tellement ébranlé, tu es tellement déçu. Mais Dieu s'arrange quelquefois que les gens nous tournent le dos. Dieu s'arrange quelquefois que les gens nous disent non. Dieu s'arrange quelquefois que nous soyons déçus. Parce qu'il sait que le monde ne nous fera rien. Il est venu pour le monde, mais il est rentré avec ses deux pieds. La gloire de Dieu se cache dans ce que tu traverses. Je suis en train de voir Dieu valoriser des diplômes de quelqu'un. Non, quelqu'un n'a pas entendu. En fait, Dieu a permis à ce que je sais, je suis prophète de Dieu. Dieu a permis à ce que tu perdes ce travail. En fait, le but de Dieu, c'était quoi? La dimension où il t'emmène, les combats sont tellement farouches qu'il veut d'abord t'affermir encore. Alors vous êtes là avec moi?
Parce que chaque nouvelle dimension cache de nouveaux défis. Vous savez ça? Oui, les adversaires que tu as maintenant là, si Dieu t'amène à la nouvelle dimension avec le même niveau spirituel, tu mourras. Or, Dieu n'est pas gaspilleur de visitation. C'est pourquoi il t'a retiré un peu. La marche avec Dieu, c'est un peu comme le basket. Au basket, tu peux sortir et tu peux rentrer. Lorsqu'il va te replacer, lorsqu'il va te relâcher, lorsqu'il va t'envoyer, tu dis, waouh, c'est toujours elle. Oui, c'est toujours elle. Donc, il y a de ces déceptions dans la vie, Dieu se cache derrière. Certains noms des hommes cachent la gloire de Dieu. C'est Dieu qui se cache. C'est pourquoi les sœurs de Lazare pouvaient dire que Jésus est venu en retard pour sa guérison. Mais pour Dieu, Jésus est venu à temps pour sa résurrection. Tu peux avoir l'impression que Dieu est en retard pour ta guérison. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait qu'il viendra en temps pour ta résurrection. Le problème, c'est que tu es esclave des opinions de gens, tu es esclave des conclusions de gens, tu es esclave du système des hommes. Je dis à quelqu'un, Dieu, et Dieu, laisse-le faire. Laisse-le faire ce qu'il sait faire. Ça fait mal, je l'admets. C'est difficile, je te comprends. D'ailleurs, c'est pratiquement impossible que je ressente exactement ce que tu ressens. Je comprends, mais continue de faire confiance à Dieu. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? J'ai encore 6 minutes. Tu vas te mettre debout et tu seras seulement en train d'acclamer Dieu. Ne me regarde pas. Tu as tes yeux fermés. Bon, si tu penses que tes yeux seront ouverts, il n'y a pas de problème. Mais mets-toi debout, commence à acclamer, bénis le Seigneur. Le seul sujet de prière, tu es en train d'acclamer, tu es en train de proclamer la fidélité de Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, tu es fidèle.